Si c'est pas Claude Joseph qui t'a dit, franchement, on pas t'a quoi. Et si premier ministre Ariel Henry pas continuer à travailler ça yo, nous pas même besoin passer par divers chemins pour nous dire oui, c'est yo touye Jovenel. C'est dans un live sur Facebook, ancien ministre affaires étrangères, eh bien mettez en pile vérité d'ailleurs sous dossier assassinat président Jovenel Moïse là, discussion qui t'a gagné entre Haïti et République Dominicaine nan. Et ça t'a pas étonné tout le monde, c'est les Claude Joseph fait déclaration ça, c'est qu'il y a des oppositions. Qui ça qui pral passer dans jou k'ap vini yo la dans pays d'Haïti, m'pral expliquer ou. Nous connais nous dans mois décembre. En pile diaspora souhaité quitter pays côté yo ya pour vin en Haïti pour vin passer fête ak famille. M'vle message ça rive dans oreille chaque grain diaspora qui compte entrer dans pays d'Haïti vin passer fête. M'comprendre comment famille ou manke ou. Mais moi-même moi conseiller ou, gardez nous. Voyez commission pour l'hôpital, mais ou même pas entrer en Haïti pendant reste fait année ça. Ou t'as remé kon pour qui ça? M'bra l'expliquer oui. Gentil proverbe créole l'a dit. Bouche grand moun senti, mais parole li pas senti. C'est sous parole ça m'a dit ou bienvenue. Pendant m'a invité ou rale chez ou chita confortablement. Fou qu'on s'en mette, faut pas ou rentrer la caille ou c'est un plaisir m'bra l'ba ou tout tripotaï sa ou. Nan bon ti mamite sans retirer. Et sans mettre. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une autre fois, m'a dit merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer la cloche de notification pour là pour pas rater aucune vidéo. C'est Zami Pau Foucault. Nous t'ai une chance présenter un petit compte. Et compte ça qui c'était. Mwen gen 3G, mwen wè nan yon sel. Merci à chaque fanatique qui te commenté. Réponse lan c'est kokoye. On parti krikak pour nouveau compte que nous gen. Maman malade mal cherché sauver rivé en vam. Pas hésiter quitter élément de réponse pa ou la nan commentaire là, ça fait nous plaisir. En pile en pile. Gros nouvelle. Mon amyo, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout sa cap passé en Haïti ou à l'étranger. Pablier, abonner, commenter, liker. Partager vidéo à pour travail là, capable avancer. Zami Pao Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, j'en que m'te annoncé ou, eh bien, hier, dans un live que ancien ministre affaires étrangères, li bay divers explications sous dossier assassinat président Jovenel Moïse là ensemble avec ça qui passait entre Haïti ensemble avec République Dominicaine. Claude Joseph déclarait c'est à travers connaissance que le gagné étude li te fait qui fait président Jovenel Moïse pral fait appel ensemble avec lui pour le devenir ministre affaires étrangères et puis pita Claude Joseph tapral premier ministre dans pays d'Haïti. Et tout temps Claude Joseph te nan poste ministre affaires étrangères, nous voyons comment situation t'a déroulé entre Haïti ensemble avec République Dominicaine. Donc, c'était une construction, eh bien, président t'a fait sous rivière massacre pour que moun ki nan Wanamet capable joindre de l'eau pour yo capable faire jade. Or République Dominicaine divers dirigeants pral lever campé pour yo di non, eh bien rivière massacre prend naissance en République Dominicaine. Or te gon traité qui te signé ni Haïti ni République Dominicaine capable utiliser. Et non seulement ça tout, yo même yo getan fait 11 canal, mais tandis que pays d'Haïti sous premier pal là, tout plime nan de ou levé. Ça te prouve clair, eh bien, malgré yo ap humilié ou, mais fok Haïtien toujours aller bon pa yo ap ou travail pour yo. Yo préfère coupon pon yet yo bay Haïtien manger au lieu pour yo quitter Haïtien travail nan bout de pal. Mais qui est-ce qui la cause tout ça? C'est à cause des dirigeants qui passent yo, qui pas jamais prend responsabilité yo, parce que ou pas ka non pays se consommer seulement ou ap consommer ou pas produit. Eh bien, nan ti pale sa, ancien ministre affaires étrangères te fait, eh bien, te ge chance touche point sa, et touche dossier assassinat président Jovenel Moïse la, à travers diverses démarches que te fait pour que te arrivé arrêté à la sauce, palacios, ak sami andal yo arrêté juste nan pays Tioki. Kounya la, comme étant donné gon nouveau gouvernement qui monte, gon nouveau ministre affaires étrangères de Claude Joseph lui-même déclaré li souhaitait que au prend dossier en charge parce que si PM nan te campé devant l'ONU li te dit rien
pas qu'à troubler dans chimeli, c'est justice à chercher pour Jovenel Moïse, li doué peuple haïtien ça, li doué famille président ça. Donc li doué Jovenel ça tout parce que c'est lui-même qui t'est nommé. Donc comme étant donné gon nouveau gouvernement Claude Joseph Pala, c'est lui qui t'a fait dossier ça au marché, li espéré que Sami Andal rentre pour que yo capable vinn juger si la justice trouvait que li innocent yo capable juste libérer. Mais comme étant donné avis de recherche t'est déjà lancé derrière, faut que yo vini ensemble avec pa Borisite pour vinn répondre question la justice. Et si Sami Andal pas rentré kounya là, qui ça qui pral passer? Frères et sœurs bien-aimés, moi invité autant ancien ministre affaires étrangères Claude Joseph exercer un leadership que en pile moun en dans société et presque de façon unanime applaudi dans les 72 heures qui suivent l'assassinat tragique du président de la République. Moi, accompagné des collègues ministres d'alors, nous prenons un ensemble de mesures pour nous te permettre que la situation reste calme. Effectivement, si ce n'est pas de décision, ça, si ce n'est pas de leadership, ça, pays a sombré dans un chaos complet et total, dans une incertitude complète et totale. Grâce à leadership, moi, grâce à un leadership collectif des autres collègues ministres, nous prenons des mesures, par exemple, état de siège. Parce que tout simplement, des étrangers entrés dans le pays, yo al kayon président de la République, yo assassiné. C'était une attaque pure et simple sous souveraineté pays. C'était dans une dimension moindre, une déclaration de guerre. Ce qui effectivement avait justifié n'est-ce pas cette mesure. Nous fermons pour yo, nous fermons aéroport yo pour aucun monde pas quitter. Et grâce à mesure ça nous arrêté en pile mercenaires. Nous arrêté en pile monde qui était impliqué dans la mort qui n'a même la justice jodi a. Nous t'ai gardé une communication constante avec la population grâce à la presse que m'a remercié jodi a. Parfois deux fois par jour. La police était sans repos parce que presque trois fois par jour nous organisé des CSPN. Parce que je voulais comprendre ce qui passait. Et c'est grâce à mesure ça, c'est grâce à action ça, c'est grâce à activité ça qui fait enquête l'arrivée côté lié aujourd'hui. Même si il y a un pile monde qui a dit et moi entendil que enquête l'a bloqué. Mesures ça yo te permettent que nous te bail des résultats concrets. Comme nous connaît et malheureusement des secteurs ou bien des politiciens traditionnels de différents partis politiques pour faire une coalition contre moi et bizarrement ils vont faire une coalition contre moi malheureusement bon côté anciens amis président république là et de l'autre camp en face yo pour dire par exemple nous va pas dans l'élection avec Claude Joseph. Bon, m'te comprendre ça. Moi te comprendre ça parce que comme en pile monde dit moi pas dans écosystème là. Maintenant ce qui est important pour moi-même c'était ce combat pour la justice. Moi, c'est déplacé volontairement avec le premier ministre Ariel qui c'était effectivement la dernière volonté du président Jovenel Moïse et de regagner poste comme ministre affaires étrangères. Et de là, bataille pour question justice, ta engagement pour question justice a été continué. Moi pour activer toute la diplomatie haïtienne vers une coopération
international pour nous joindre justice pour le président Jovenel Moïse. Parce que tout simplement, le crime a une dimension transnationale. Et étant donné que le crime a une dimension transnationale, c'est la coopération internationale qui permet que nous adresser la situation. C'est comme ça, moi adresser une lettre à l'Organisation des Nations Unies pour les aider dans l'enquête là. Bon, par contre, ça va le passer après, mais moi-même, moi fait travail ça. Ensuite, vous venez de la position du secrétaire général de l'OEA, qui lui-même garantit que la permette que accompagner Haïti pour président Jovenel Moïse jeune justice. Écoutez. J'ai eu beaucoup d'affection pour le président Jovenel Moïse. Le temps passé à ses côtés m'a permis de comprendre le sens de son combat. Cependant, mon combat pour l'aboutissement de l'enquête sur son assassinat est une question de principe et de respect. Parce que personne n'a le droit de porter atteinte à la vie d'un homme ou une femme ou un président de la République. Et c'est ce principe ça qui guidait l'engagement pour me joindre justice pour le président Jovenel Moïse. Mes actions, par exemple, l'arrestation de Palacios à la Jamaïque. Moi déplacé pour me rencontrer avec la ministre des Affaires étrangères de la Jamaïque. Nous échanger en pile documents pour le transfert de Palacios en Haïti pour le faire face à la justice. Moi rencontrer avec la ministre des Affaires étrangères et également la vice-présidente de la Colombie sur cette même question. Et je dis à Mabdi nous, pour la première fois que quand j'étais, et récemment alors, moins obtenu de la vice-présidente de la Colombie que le pape mandait la Jamaïque pour transférer Palacios en Colombie. Maintenant, il revient à l'État haïtien d'assurer le suivi nécessaire pour le transfert de Palacios en Haïti, comme moi-même m'étais engagé pour me déjeuner ça. C'est la même chose pour l'arrestation de Samy Randal et pour la famille, pour les gens, pour les amis de Samy Randal. Je ne connais pas le monsieur. Je ne connais pas monsieur Randal. Encore sur une question de justice, l'arrestation de Samy Randal en Turquie, c'est tout simplement parce que le mandat d'amener, il y a une notice rouge de l'Interpol que moi j'étais jeune à temps de la DCPJ et m'effectuer les contacts nécessaires pour l'être capable d'arrêter en Turquie. Maintenant, nous-mêmes, moi-même particulièrement, l'MTN ministère là, moi j'ai fait toute démarche normale pour nous déjouer une extradition Samy Randal. Nous avons échéance pour nous jouer une extradition et moi souhaité que le gouvernement en place là et à continuer et travail que nous avons fait pour arriver à joindre Palacios. Et je suis désolé pour arriver à joindre Samy Randal en Haïti pour seulement lui répondre à la question de la justice. S'il est innocent, eh bien, il y a blagué. Donc, ça, c'est mon engagement en faveur ou bien pour me permettre que nation les jeunes justice. Alors, son question de principe et de loyauté, l'on présidenté à l'aise, fort confiance comme ça, l'y assassiné dans condition ça et puis avec des pressions pour venir garder silence. La vie pas bien sens pour moi si moi t'a décidé garder silence sous l'en mort président République là.
et m'pa garder silence. M'a avancé et engagement pour joindre justice a continué. Maintenant, vous voulez parler de engagement, particulièrement par rapport à la République dominicaine. Écoutez, comme chancelier, j'ai nourri d'excellents rapports avec les partenaires d'Haïti, incluant la République dominicaine. Je n'ai jamais cherché ni souhaité un conflit avec la République dominicaine. Cependant, je n'ai simplement pas aimé la façon dont les dirigeants de ce pays se servaient de la question haïtienne pour avancer leur propre agenda. Je n'ai pas aimé la mauvaise publicité qu'ils faisaient d'Haïti. Je n'ai pas aimé le mépris qu'ils affichaient à l'égard d'Haïti et des Haïtiens. Je n'ai pas aimé que des voisins dont l'intention ne sont pas toujours les meilleurs s'érigeaient en porte-parole de la première République noire du monde. En tant que chancelier, il fallait mettre les choses au clair. Parce que pour moi, l'honneur d'Haïti passe avant tout. Je le referais si j'avais à le faire. Et c'est dans le même cadre, combat ça, que j'ai écrit au Premier ministre pour me suggérer pour le continuer avec les travaux sur la rivière Massacre. Écoutez, qu'il y ait de injonction de la République dominicaine pour nous camper travail ça à plusieurs reprises. Moi, quand j'étais chancelier et le président de la République, son Excellence Moïse, était au pouvoir, on a dit travail là pas camper. Parce que tout simplement, la rivière Massacre est une ressource en eau partagée dont l'utilisation est régie par le traité d'amitié, de paix perpétuelle et d'arbitrage signé le 20 février 1929. Ce traité voulait que l'utilisation de cette ressource en eau partagée soit juste et équitable. La République dominicaine fait 11 prises sur rivière-là. Nous-mêmes, c'est la première prise que nous avons fait sur rivière-là. Et prise ça, qui c'est un canal d'irrigation, la permet que nous irriguer 3000 hectares de terre dans la plaine de Maribou et Maribaou que paysans yo accueilli avec un pile enthousiasme parce que la permet que yo réduit dépendance yo par rapport à la République dominicaine dans sa gain pour avec production agricole. La permet que augmenter production agricole dans la zone. Prétexte là, c'est que ultranationaliste dominicain a dit que c'est une rivière exclusivement dominicaine. C'est faux. Si c'est vrai que rivière Massacre là, il prend naissance en République dominicaine, mais faut nous dire grand affluent yo, c'est de rivière et Haïti qui nous était capable dit qui bail en pile. J'arrête souvler mot ça comme ça avec rivière là. Donc c'est son rivière qui était capable de serpenter la République dominicaine et Haïti. Il est entré le sorti. Travail que n'a fait la fête sous partie haïtienne. Il est pas fait sous partie dominicaine. Et l'autre malentendu qui alimenté par les ultranationalistes dominicains voulait faire croire que utilisation canal ça l'a réduit considérablement le débit de la rivière ou bien l'accès aux eaux de la rivière. Et ça, c'est archi faux. Parce que le travail panouan a fait sur la rivière là, il nécessitait tout simplement 1,3 mètres cubes d'eau par seconde qui équivaut à 20,33% de débit
moyen annuel rivière là. Et même si nous t'arrivons à 3 mètres cubes d'eau par seconde, qui tape équivaut à 40,65% de débit moyen fleuve là, il tape encore inférieur à sa République dominicaine prend sur rivière là. Faut m'ajouter que 70% terre agricole en République dominicaine qui arrosé par rivière là et en amont canal là. Tout ceci pour me dire que explication que y a bayo pour faire injonction à Haïti pour camper rivière là, c'est faux. Donc le gouvernement haïtien n'a pas à suspendre ou bien camper un travail sous territoire, sous injonction d'un pays voisin. Donc c'était ma position sur la question. Et jeune, il est moins jeune qu'ap côté m'la jodi a. Ça que m'ka di nou, lè n'ap servi l'État, ayez toujours le courage de vos convictions. Ne cédez pas aux pressions, aux petits avantages, aux petits privilèges. Sachez qu'il faut mettre Haïti avant tout et l'honneur du pays passe avant tout. Moi souhaiter en quelques mots moi expliquer sens engagement. Écoutez, moi comme ministre des Affaires étrangères, ancien ministre des Affaires étrangères, je dois vous dire que je pars avec le cœur léger et le sentiment du devoir accompli. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma liberté de penser et d'action pour pouvoir réfléchir sur Haïti et dire clairement ce que je souhaite pour mon pays. N'étant plus lié par un quelconque solidarité gouvernementale ou un devoir de réserve, je m'engage à contribuer avec vous, chers amis, frères et sœurs haïtiens, haïtiennes, à l'émergence d'une Haïti à la hauteur de son histoire. Je vais me battre à vos côtés pour sortir Haïti de ce marasme. Cependant, je ne vais pas me contenter de critiquer à la mode de l'opposition traditionnelle haïtienne, mais je vais également proposer des propositions. Je vais également travailler, n'est-ce pas, sur des propositions claires aux problèmes de l'heure et les moyens de les résoudre. En pile partie qui était en opposition, ou bien pifor, rejoindre le pouvoir. Donc, on vide, parce que la démocratie, du moins un élément essentiel de la démocratie, c'est l'opposition. Et c'est pourquoi je m'engage avec vous à combler ce vide. Pas pour faire échec à un pouvoir ou à un gouvernement, mais pour aider le pays, pour aider les jeunes, pour sortir le pays de cette impasse que le trouvait depuis bien longtemps. En tout cas, ou kon sa m remen nan pati sa, frères et sœurs, c'est que bagay yo clair devant genou, c'est assassin yo kap dirije. C'est moun ki fait complot pour touye Jovenel yo, c'est eux même qui nan pouvoir yo. Parce que c'est ti pati pa yo ap mache jusqu'à ce que yo arrive abouti ensemble avec objectif yo. Et c'est ça qui t'a fait cette JR. Comme étant donné, bah la vin font scandale, j'ai ôté monté plan, li mal passé. Ti nèg yo te gen pran direction palais national, frères et sœurs bien-aimés, m'pa caché di ou, pa t'ap gen aucun moun ki t'ap arrêté. Nous pa t'ap konnen si te gen mercenaire et cetera que t'es débarqué. Mais comme étant donné, Claude Joseph t'es là et non seulement ça tout. Léon Charles faut me dire nous ça, frères et ce raïche en dit dans le blanc, c'est parce que monsieur pat nan zami tay ensemble avec Dimitri Erard. Mais s'il te nan zami tay, frère, c'est parce que imaginons Jovenel relé
Léon Charles 7 fois. 7 fois le relé dans le téléphone. 7 fois, Jovenel relé Léon Charles dans le téléphone. Et kounya là, comme étant donné, c'est Dimitri Hera qui est responsable sécurité. Donc, le DG fin relé Léon Charles, faut le carré le Dimitri. Or, Léon Charles lui-même, pas dans ses collés ensemble avec Dimitri. Parce que Dimitri sent-il trois chefs. Donc, Léon Charles pas qu'à passer l'autre. Donc, et rappelez-nous bien, le DG a vin rive la entre dans Pèlerin. Donc, ge youn nan soldat yo ki pral poton telefon bali dil, gon moun ki vle negosye ansanm ak ou. E Léon Charles pral di, ki tete sa wap fèm la, ou président moun wap vin dim pou m negosye, negosye ak yes. Donc, frères et sœurs bien-aimés, nou kapab comprenn comment situation a te. Donc, comme étant donné, Claude Joseph li même li te fait assez d'effort pour que li te kapab mene investigation, nèg kap pete kouri, mare yo vini ansanm ak yo. Donc, kounya la arrêté ensemble avec Ariel Henry pour faire Palacios, rentrez par Borisit pour vin bay explication. Pas oublier Palacios, son gros taureau dans assassinat président. Et non seulement ça, tout force ami en dalle, retourne dans le pays d'Haïti pour vin bay explication. Et si Ariel pas fait des marches pour monsieur sa yo rentre, donc ça, Claude Joseph te commence à faire yo, li pas continue yo, ça pral prouve nous clair que c'est monsieur yo exact. Qui mange Jovenel, nous déjà compte tout bagay parce que si nous fin douyon président, tout travail il te commence fait. Donc imaginons que Jovenel Moïse avant le mourir, il te gete remettre on feuille de route ensemble avec Ariel Henry, li prend feuille de route là m'a conti c'est d'elle ici avec li jetel. Donc, li pral nan dossier signé accord, mais kounya la getan monte un nouveau gouvernement qui kote l'installe li se nan palais national. Donc, 7 février, frères et sœurs bien-aimés, pral gen yon président pral installer, ça c'est clair. 7 février pral gen yon l'autre président kap installé dans le pays d'Haïti. Comme étant donné, Jovenel te rete environ 6 mois pour te fini mandat là. Donc nèg yo respecté ça jusqu'à présent yo poko installé président. Donc à partir de 7 février 2022 kap vini là, kwèm si nouvè pral gen yon l'autre président kap installé. Or, si blanc accepté parce que nous kapab wè, blanc li même toujours penché ou samdou la toujours gen l'amou pour accord Montana parce que c'est yon accord ki pi largement large par rapport ensemble avec gouvernement apaisé par Ariel. Est-ce que y a toujours Kébé Ariel en tant que premier ministre? Et ceci nous capable comment Lambert campé actuellement là lui-même la plaie de la goumé pour le dire oh oui mandat la fini en 2023. Donc est-ce que vous pape voye tirer Sénat le 7 février 2022 yon façon kounya la pour être capable de tout pouvoir ou nan meyo? Et position Claude Joseph prend actuellement là pour en pile moun se meilleure position parce que et kounya nous senti gon bataille qui pral fait. Donc Claude Joseph déclaré li son opposé de Ariel Henry parce que li pa nan pouvoir le remettre tout bagay, li ra l'école. Donc toute démarche que l'te commencé faire yo, si gen volonté, si nèg yo chercher la justice vrai pour Jovenel Moïse, si ça Ariel te dit ak bouche li a la respectel, donc kounya là ça Claude Joseph te commencé faire. Donc mare nèg ki te pété kouri al caché qui participait dans touye président fò nèg sa ou ka rentre pa Borisite pour yo vini juger normalement comme étant donné la police te ba yon conférence de presse te dit mais qui toi agent qui pral chercher palacios pour rentrer ensemble avec nan pays d'Haïti bien que actuellement là nous poko konnen dernier détail yo pour nous konnen est-ce que messieurs yo aller à est-ce que yo poko aller vraiment de toute façon n'a continuer bousquer information pour nous konnen qui s'est passé dans dossier ça parce que si yon président nommé ou li ba ou feuille de route li di kon sa n'a fè référendum élection et puis sortant dia 7 février 2022 pour que yon gouvernement capable monter or ou vi nou même ou chire feuille de route là ou fè afè pa ou et kounya la nou rete n'a kalbende dans tête pays a jusqu'à ce que 7 février 2022 rive yon façon pour capable monter un gouvernement c'est kounya pral gen transition. Donc ça gen actuellement la frères et sœurs bien-aimés c'est gouvernement apaisé tandis que 7 février 2022 pral gon l'autre gouvernement k'ap monte et ça pral gouvernement de transition. Aïe 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 ki bon Dieu. Gardon pays sa papa. Frères et sœurs bien-aimés, eh bien ça k'ap passé nan au cap, c'est parti bagay piti. Adje la vie sa o, tellement ki bagay ki pral rive nan pays sa, franchement, m'a posé tête moi question, est-ce que peuple haïtien ap ka supporter? D'après déclaration divers moun k'ap fait politique nan grand nord pays ya, comme nous tout connaissons, il y a 5 présidents qui mourent
assassiné et président Sayo, c'est dans Grand Nord au sorti. Et mourir, c'est toujours dans l'ouest et dans le sud yo assassiné, c'est pas jamais dans Grand Nord yo assassiné encore. Frères et sœurs bien-aimés, eh bien d'après déclaration monsieur dame Sayo qui fait politique, yo fait comprendre nèg yo te met fait transition pour 15 ans, ça pas gardé. Nèg yo te met fait transition pour 30 ans, ça pas gardé. Yo met voler quantité l'argent yo vle, ça pas gardé. Mais c'est l'élection. C'est laisse ça, monsieur pral contrer ensemble avec Zo Grand yo. Puisque pas gon nèg kap gen ak de naissance qui sorti dans l'ouest, qui sorti dans sud, qui sorti dans grandance, kap kat traverser pour entrer dans Grand Nord pour aller faire campagne. Ça yo pap joué ensemble avec lui. Pas gon nèg kap sorti dans l'ouest pour traverser pour entrer dans Grand Nord pour aller faire campagne. Di yo se président etc. Yo pa pren bagay kon sa. Nèg sa ka entre, men l ka pa soti vivant. Parce que après sa yo fin fè yo, après 5 président yo fin touye pou yo, bagay kon sa yo pa accepte l. Et frères et sœurs bien-aimés, gan pil moun ki deja déclaré, moi même moun ta anvi ou on bagay kon sa. Se le sam pral wè, est-ce que haïtien gen nen an figi yo tout bon vrai parce que tout président qui sorti nan nan, nèg yo toujours floch yo parce que monsieur sa yo gon li politique, yo vle fè pays, yo vle relever économie, yo vle pour que pays a produit non seulement pour peuple a capable joine pour yo manger et puis tout pour yo capable vendre. Mais depuis l'indépendance, nèg nan l'ouest était toujours paresse, yo était toujours aimé bien sans souhait. Donc frères et sœurs bien-aimés, moun nan nou couché carbone yo gade nou bien préparé ap tan nèg nan l'ouest là au fin faire transition yo ou met voler quantité l'argent yo vle mais au couché carbone yo ap tan yo pou yo vin faire campagne et c'est là yo vin faire campagne c'est là ça yo pral konne ki bois moun nan nou chauffer parce que yo pa jouer avec yo cette fois-ci. Donc et dernièrement là nous capable voir André Michel lui-même qui font déclaration tête chargée quand elle dit oh oui yo 5-0 sous PHTK, n'est-ce pas? Et tandis que, moi-même m'a dit nous ça, peuple haïtien besoin 5 goals ça yo. Premier goal li besoin, c'est goal contre monopole économique yo. Deuxième goal peuple haïtien besoin, li besoin goal contre économie acheter revendre parce que nous pas cap vivre nos pays, nous pas ka yon peuple qui indépendant, papier hygiénique garder non c'est acheter n'a pas acheter, bois dans acheter n'a pas acheter, citron, tout bagay net s'acheter n'a pas acheter. Nous pas produit rien, nous just là n'a consommer. C'est normal pour yo nous semble à fatra parce que depuis nous fin utiliser bagay là c'est jeter nous jeter. Donc ça nous fait plus dans pays nous c'est fatra, nous pas produit. Au moins si te fin manje après sa fatra sa nou te pran yo nou te utilise yo pou nou fon lot bagay pou nou te revan au moins ta gon mot so respect mais nou tout se fatra parce que depuis yo fin utilise nou tout se jete rap jete nou de même et eh bien l'en fin achete ton bagay nou manje se jete n jete l immédiatement yo fin utilise n yo jete nou tout donc pa gen différence entre nous même ensemble ak fatra. Donc tout autant nous pas fait un goal contre économie acheter revendre et si nous pas lever pied nous y a toujours que ben nous dans ça parce que moun kap acheter revendre c'est ça seulement le contenter c'est faire l'argent là après ça petite li pas haïtien madame ni pas haïtien li même tout le pas haïtien ça pas garder li pas cœur de rien elle est ensemble avec production nationale parce que li même plaisir c'est acheter vin revendre et puis c'est fini frères et sœurs. Donc peuple haïtien besoin un goal tout contre la misère ak malcité comme toujours aimé di nous moun ki nan quartier populaire c'est nous même qui pou mette tête ensemble qui pou retirer fatra côté n'ap vive parce que les on pote gros l'argent ba nous nous prend les on pote gros zam ba nous tout nous prend mais nous pas ka plein pour fatra parce que c'est nous qui fait fatra donc en ce sens faut que nous mette tête nous ensemble pour nous retirer tête nous nan malcité nan la misère parce que ou riche c'est volonté ou pauvre tous ces volontaires gagnent. Donc en ce sens, c'est au même qui pour choix, qui pour travail, qui pour retirer tête ou non position pour passer dans l'autre classe. Mais tout autant ou chita wap ton aide, et mais c'est tout autant wap rentrer dans la misère plus ensemble avec malicité. Et peuple haïtien tout, li besoin yon goal contre insécurité ka mette de l'eau dans genou. Donc frères et sœurs bien-aimés, za fait je wè bouche pesa, faut que nous suspendons ensemble. Na vive nos communautés
Les on kidnappé un moun, c'est nous toutes qui dans la peine. Mais pour qui ça là nous connaît qui est-ce qui fait kidnapping là, nous rete n'a gardé dans zone là, nous pas marcher sous lit nous prendre. C'est parce que nous trop lâches qui fait yo prend nous, yo fait nous ça. Non bagay qui aussi simple parce que dans grand pays, les que gon moun kap touché l'argent l'état, yo paye pour le fond travail, il pas fait et bien peuple la marché le fermé biro. Et puis il mettait moun sa d'ailleurs de koto t'a fait l'argent nous bloquons pas qu'a vinn faire l'argent là encore là où connaît ces sénateur intel ces députés intel qu'a fait kidnapping là où connaît ces ministres intel qu'a fait kidnapping nan sont fait ou trace son exemple et immédiatement fin tracer exemple en souli gon paquet l'autre qui était déjà gen mauvais intention t'a pral entrer dans même ligne nan yo a pral anti yo pas pral faire ça encore c'est même j'en te dit nous dernièrement l'homme on allait en bas en pompe lâche ton galon gaz pour 200 goud après ça il prend le camper dans la rue là vendre 4-500 dollars ou kembe la galon gaz là fait fil immédiatement peuple la fait fil ensemble avec lui et bien on saisit ouais ça t'a gain intention pour aller acheter gaz pour venir poster bon la rue pour la vendre il pas fait ça parce que le connaît la perdit la ville donc tout côté où ouais dirigeant yo a marché cochi a volé a fait ça pas ça immédiatement population lui-même li camper parce que c'est moi qui te mets pour te diriger et pour pas qu'a venir ou voler mkounia immédiatement gon exemple qui tracé ou saisi ouais ça qu'a venir derrière la prend elle tout ça l'a fait ensemble avec transparence li pas voler l'a choisi ramasser pied parce que le connaît s'il t'a choisi c'est voler l'a venir voler peuple ça et bien le connaît la ville a très coûte. Mesdames, mademoiselles et messieurs, et nous besoin faire un gol tout contre discrimination qui mettait majorité nation à l'écart. Et puis tout, femme dit nous, bluff politique là doit suspendre pour peuple haïtien poser bon question socio-économique yo et puis identifier yo équipe qui capoter réponse nécessaire. Ça très important. Mesdames, mademoiselles et messieurs, j'en que m'te annoncé ou, eh bien, ou même, qui dans diaspora, ou déjà ouais, comment situation y est dans le pays d'Haïti, n'est-ce pas? Donc, actuellement là, pour ça, moi-même, moi, senti que pral passer dans fin année ça, et pas seulement dans le pays d'Haïti, mais c'est le monde. Ou même qui t'es déjà aux États-Unis, Chili, Brésil, etc., qui pat en Haïti, pas rentrer. Sou kon ti bagay wap voye bay fami ou voye l bali mais rete kotoyi parce que nan fin ane sa frères et sœurs bien-aimés nan pays d'Haïti après Jovenel fin mouri fòm di nou sa gen nan ki pral levo matin kap koupe gorjel nan fin ane sa pral pase gon ekip nèg kap debake ki pral denonse lòt ki pral di ou même men ki sorte fè ou même men ki sorte fè men ki est sou tetouye etc. Gon seri de moun nou ay ap kidnapé nan peyi a. Nou pa janm jwenn trace yo. Donc ou même ki deja lòt bò a, rete kotoyè a. M'dakòk ko reme peyi ou. Mwen d'akòk ke ou anvi wè fami ou. Ou fan pil tan ou pa wè fami ou pandan 4 lani. Nou kapab comprendre que la police li même l'ap chwaye pou wè comment te ka mete sécurité. Mais kotoyè a, rete la pa déplacé. Pa vini en Haïti. Parce que nou kapab wè si les États-Unis ensemble avec Canada dernièrement là passé l'ordre ensemble avec tout ressortissant pour quitter pays donc ou même sous ces haïtiens ou vivre dans l'autre pays dès pour pas gagner trop urgence pas rentrer pas venir sous prétexte ou venir passer fête fin d'année ensemble avec famille ou ka regrette rete kotoye aller l'autre côté mais poko entrer dans pays d'Haïti parce que ça qui pral passer ça qui prévoit fête dans fin d'année à là pas gagner ka empêcher le fête et moi-même m'pata et moi-même m'pata vlo victime parce que m'vlo rete en vie pour voir comment nèg ça va passer parce que classe politique ça li pral disparaître. Donc ça fait longtemps ou a souffri, ça fait longtemps ou a prédit, ça fait longtemps ou a travaille parce que ou remet pays ou investi ou voye l'argent tout le temps mais si ou pas vini ané ça, ça pas faire ou changer non, ça pas faire ou pas moun pour ça. Mais tant pris s'il vous plaît, frère Maxime, yo rete kotoye a, protéger tête tout, mettez famille ou yon côté qui plus sécurisé parce que ça pral passer dans pays d'Haïti, c'est parti cause petit. Gentil proverbe créole la dit, bouche grand moun senti, mais parole li pas senti. Rete connecté et bien m'a toujours là pour m'informer ou pas oublier. Ça qui a passé dans le pays actuellement là, c'est bagaille coquet volé net. J'aime toujours remédier Haïti.
dictature, l'appel des Antilles, Haïti démocratie, c'est la République des coquins. Qui vivra verra, mais qui mourra kakara. N'a fait place à Voix d'Amérique, Presse, Information nationale et internationale. Rendez-vous cassé dans un petit temps, qui pas trop long. Et actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti. Hier, ancien député Arnel Bélizère joint libération, donc il n'a pas appliqué, mais levé que coup d'appel dans Port-au-Prince te prend en faveur. Et Jodia, ancien parlementaire, te rencontré avec la presse. Correspondant nous, Massado Vilme, te sous place, mais reportage. Si député circonscription Tabadelma, Arnel Bélizère, demande information, lui dit que le leader politique a fait circuler sous libération lui-même à Kres prisonnier. Yo. Autorité dans SDP dit, c'est accord qu'il a des prisonniers politiques. Yo. M'a dit peuple a menti. Ce n'est pas l'accord qu'il a gagné nous, parce que pourquoi il y a accord? Ça, c'est le mot du droit. Et moi, plus loin, pour me rassurer nous de samedi, moi, j'étais toujours un élément gênant pour SDP. Si c'était accord qui t'a plagué prisonnier politique, ce n'est pas adversaire SDP qui t'a plagué avant. C'est même SDP qui est en prison. C'est eux qui t'a plagué avant. La Voix de l'Amérique t'a cherché à rentrer en contact avec plusieurs membres du secteur démocratique et populaire sous question ça. Téléphone yo te sonné sans réponse. Sous bon papier Kilik Semelus, yon militant politique proche ancienne opposition qui te fermé dans prison avec ancien parlementaire a dit aucun accord pas possible. Sans libération, plus passé 50 prisonniers politiques li dit qui fermé dans prison civile Port-au-Prince. Pénitencier seulement qui passé 56 prisonniers politiques. Seulement pénitencier. Arrêtez yo, pas passé paquet avec yo, al pénitencier avec yo. Pénitencier gen 6000 moun on côté fait pour 800 moun. Dans 6000 moun, m'a dit nous qui gen dans pénitencier a gen 465 seulement qui condamné. Et dans 465 qui condamné a gen 250 qui fait pouvoir en cassation. Je dis à si n'a pas les deux accords, faut 56 prisonniers ça yo tout libéré. Abel Songonek Koutoua, Maxime, Tibekan, Jean-Denis, etc. Dans une conférence li bay ak la presse hier mercredi 1er décembre 2021, ministre Justice et Sécurité publique la, Berthe Dorsey, te fait connaître li pral bataille contre détention préventive prolongée dans centre carcéral yo. Pile autorité a parlé de lutte contre la détention préventive prolongée. Je demande ensemble au commissaire du gouvernement pour que face à une proposition, mais une mise à exécution. Et comme de fait, en pile, comprend la nécessité de définir et n'a fait question de détention préventive. Prolonger, conjugué au passé antérieur. Toutefois, libérer au fait qu'on est, il n'y a pas fait marche arrière dans l'équipe qui a mené contre système en place là. Toutes jeunes garçons, toutes jeunes femmes, mettez-nous prêts pour la bataille. Si son Honda Haïti a fait, moi, c'est le premier monde qui choisit livrer tête. N'a pas crasé le système là. Et n'importe quel monde qui campait devant, monde qui a crasé le système là. Je dis à nous-mêmes qui étions dans la bataille changement, nous-mêmes qui étions dans la bataille chavirer le système, nous sommes obligés de prendre bâton pèlerinage nous pour nous recommencer la bataille à côté de nous. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilme pour la Voix de l'Amérique. Merci Massado Vilme. Vraiment vrai, hier c'était libération. Ancien député Arnel Bélizère avec camarade Lio. Yon idée de ambiance qui était gagné hier devant prison civile Port-au-Prince. Là. L'été fait noir mercredi 1er décembre 2021, les administrations pénitentiaires nationales APENA exécutaient main levée coup d'appel Port-au-Prince l'été prend en faveur ancien député Arnel Bélizère, Pierre Kilik et l'autre compagnon. Parce qu'après deux ans, trois jours, nous sortons de la prison pénitentiaire nationale. Après deux ans, la justice oblige à trancher. Moun sa yo sont pas quatre moun qui t'a bataille. Une exigence accord 11 septembre 2021 avec Premier ministre Ariel Henry, c'est libération prisonniers politiques.
Cependant, ancien sénateur Youri Latortue dit c'est pas Akoa qui mettait monsieur dehors. C'est pas gouvernement, c'est pas Akoa qui libéré yo. Nous sommes capables de constater un mouvement solidarité et surtout contentement qu'il y a partisans, surtout qu'il y a avocat ancien député Arnel Bélizère, maître Caleb Jean-Baptiste. Merci avec la justice haïtienne, spécialement la Cour d'appel. Pour militants sa yo qui joignent libération yo mercredi 1er décembre 2021, bataille là a continué. Mission nous, c'est changer Haïti. Donc c'était ambiance là hier soir devant ces prisons civiles Port-au-Prince. Haïti toujours Matissan continue à faire sans couler dans mi-temps population civile là en bas yeux autorité. C'est comme ça moun mouri ak l'autre blessé entre hier soir pour arriver jodi a. Yon reportage ou nan Toussaint depuis Port-au-Prince. Encore nek armé grand ravine ak Tibois k'ap bataille entre yo fait sans couler yon façon spectaculaire dans quartier Matissan Port-au-Prince qui nan direction sud entre capitale là. Côté Negame, yo l'ouvri coup de zam automatique sur yon bus qui t'a transporté 38 passagers en direction Carrefour. Bilan, yon femme enceinte mouri sous place, avec plus passé yon dizaine les autres blessés grièvement, selon constat juge de paix Moïse Jean, dans l'hôpital Dikini, l'hôpital Buslan Temene, victime yo. Selon Maître Jean, gen moun qui prend balle nan tête, nan tete, nan ventre, ak nan oreille, qui kounye yon, ap recevoir soin. L'hôpital Adventiste Dikini ak Food for the Poor qui nan commune Kafou. Nouvelle yo rapporté, gen 5 moun ki mouri nan attaque sa pendant que l'hôpital sa yo pa gen moyen nécessaire pour prendre en charge blessé yo ki trop grave ni tout yo pas possible pour transporter yo dans l'autre centre hospitalier à cause gen gang Matissan yo. Ça gen environ 6 mois depuis Negame kap goumen entre yo dans zone sa, la police paraît impuissant par rapport à situation. Pourquoi gen moun ki ka di combien moun en tout ki mouri assassiné en bas men Negame Matissan yo? La police essayé plusieurs fois mais an rien pas marché. Organisation droits humains tankou Réseau National Défense droits moun RNDDH condamné zak sa côté considéré attaque sa comme yon canage et mandé instance concerné yo assumer responsabilité yo par rapport ak désordre k'a passé Matissan. Bon côté parle, Premier ministre Ariel Henry dit une principale préoccupation, c'est bataille pour rétablir l'ordre et sécurité publique sur toute étendue territoire national là, plus précisément Matissan direction sud entre capitale haïtienne à Port-au-Prince qui depuis plusieurs mois moun pa ka circuler libre et libre dans zone ça. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, toujours sur plan politique et jodia Premier ministre Ariel Henry réalisé premier conseil des ministres dans le palais national et objectif là c'est bailler une feuille de route à chaque ministre qui fait entrer dans le gouvernement et puis ancien ministre tout n'a pas gagné un reportage demain sous question ça n'a quitté actualité dans le pays d'Haïti pour entrer ici aux États-Unis côté président Joe Biden annoncé ou bien administration Joe Biden nan, et fait connait que il gagne un nouveau plan pour combattre coronavirus là aux États-Unis et puis empêcher variant Omicron nan pas propager. Sandra Lemaire a ban nou détails sous annonce président sout fait dans Institut national la santé NIH. Président Joe Biden dévoilé plan li pour combattre COVID-19 pendant saison hiver, dans moment nouveau variant Omicron a fait ravage. Today I'm back to announce our action plan to battle COVID-19 this winter. Biden lance une campagne d'urgence aujourd'hui, côté lui encourager tout Américain pour y aller prendre vaccin booster supplémentaire contre coronavirus là. Président dévoilé un plan qui fait spécialement pour saison hiver et qui visait empêcher coronavirus là avec variant Omicron propagé. Il mettait à la disposition publique là un paquet de vaccins sans ni pas imposer aucune nouveau restriction. Plan envisagé pour compagnie assurance privée, couvrir prix test COVID que moun capable prendre la caillou et puis renforcer règlement pour moun cap entrer aux États-Unis, quel que soit statut par rapport avec vaccination. This is a moment we can do what we haven't been able to do
Administration Biden l'a dit tout, li pral disposer 50 millions tests COVID-19 gratis pour grand moun yo avec l'autre moun défavorisé yo que y'a capable joindre dans centre pour grand moun yo et puis dans centre communautaire. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire, on dit que par boy site et pas seulement dans Washington mais tout États-Unis gagné yon suspense parce que demain il y a possibilité pour gouvernement fermé, ça veut dire pour pas en mesure pour capable régler et toute dette que yo gagné, c'est ça le gouvernement shutdown et par boy site li fermé. Mais président Joe Biden dit li gagne en pile et confiance que gouvernement pas fermé demain. En attendant, donc tout le monde rete branché, surtout nous-mêmes qui employés fédéral, nous takankou di nan pays d'Haïti, nous croiser ti douet nous n'ap suiv, donc ou même tout cap sur actualité ou croiser de toutou n'ap suiv et n'ap pote et toute information sous question pour nous et demain. Et puis l'autre point d'actualité surtout concernant les États-Unis, secrétaire d'État américain Anthony Blinken lancé avertissement by la Russie pendant une rencontre dans ville Stockholm dans pays la Suède sous conséquences graves qui a payé pour n'importe zak agression contre Ukraine. Un reportage Serge Rodriguez. And any renewed aggression would trigger serious consequences. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken ba yon conférence pour la presse jeudi dans la ville Stockholm en capitale la Suède après une rencontre dans niveau ministériel organisation pour sécurité et coopération en Europe là te fin organisé et de profiter pour lancer avertissement ba la Russie pour réfléchir avant l'état commettre zak agression contre Ukraine. Chef diplomatie américain a précisé que le président américain Joe Biden a eu l'opportunité pour parler avec Tokay Wislie Vladimir Poutine, il a été rencontré dans la ville de Genève, ça a eu quelques mois, et l'idée des États-Unis a été partagée avec M. Poutine, bon gens préférant les États-Unis, pour un rapport stable, sans coup surprise entre deux pays. Any escalatory actions by Russia would be of great concern to the United States as they would to Latvia. C'est un bagage qui est bon pour nous tous deux, et en même temps pour le monde entier. Cependant, tant que nous avons parlé à Clé la semaine passée, nous avons un gros qu'à sauter concernant la planification que Moscou a fait pour recommencer à commettre des actes d'agression contre l'Ukraine. Et la situation est capable de mettre nous en direction différente, tout simplement, ça n'a pas d'intérêt personne. M. Blinken précisait, ce n'est pas seulement nous-mêmes aux États-Unis qui avons inquiétude sur la question, si on qu'à sauter tout le continent européen partagé. Moi, je pensais que le ministre des Affaires étrangères, Ousla, attendait causer ça pendant 24 heures qui sont passées ici, là, dans la ville de Stockholm. Nous prenons un engagement solide croissier dans la souveraineté et l'intégrité territoriale d'Ukraine. La meilleure façon pour éviter une crise, c'est à travers la diplomatie. C'est point ça moi paré pour m'aborder avec Sergei. Nous voulons voir une bonne application encore Menxio côté force militaire russe fait retrait. Premier diplomate américain a dit États-Unis paré pour faciliter une décision comme ça. Il continue pour le dire, si nous voulons parler à Claire et sans force côté, que c'est la meilleure façon dans le cas ça. Si la Russie décidera de poursuivre une confrontation, il pourra subir des conséquences graves pour l'action libre. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Oui, grand monde pas joué, mettre corvée et corps. Attention, pas capot, qu'on y a nous pral parler. Immigration, mes amis, il y a plusieurs milliers haïtiens avec l'autre nationalité, eux-mêmes. Qui nan moment ça yo trouvé dans stade olympique ça le stade olympico nan Tapachula nan état Chiapas côté y a demandé transfert nan yon l'autre état et puis autorisation pour voyager libre nan pays pour capable chercher travail et par connait côté Jean-Robert Philippe et pral banon plus détail sous question ça Jean-Robert Philippe. Eh bien bon, et Jacqueline, nous avons une bonne nouvelle. Et l'administration américaine est d'accord pour lui obéir à l'ordre d'un juge passé pour lui recommencer avec le programme qui était autonomique. Si j'avais tout le monde qui était arrivé sous frontière pour demander asile et que le monde s'est capable de retourner au Mexique en attendant un juge prononcé sur le dossier. Mais pendant ce temps, nous que le dossier immigrant dans Tapachula, eh bien, situation a détérioré. Vraiment, les autorités mexicaines ont commencé à transférer depuis la semaine passée à plusieurs centaines d'immigrants dans tout ça, parmi les Haïtiens. Après, ils ont passé plusieurs semaines à attendre demande d'asile et visa dans Tapachula, qui est dans l'état de Chiapas.
migrants ont déclaré par l'agence nouvelle Reuters raison qui fait glisser tant yo devant stade olympique là c'est pour yo capable de joindre une place dans autobus qui a transporté immigrants de l'autre côté. Woldi, qui c'est un haïtien, déclaré moi-même avec toute famille, j'ai un document depuis 4 mois et nous pas capable de déplacer. L'autorité n'a pas voulu, peut-être nous pas gagné un ticket. Nous avons brûlé en bas une flamme soleil, nous grand goût. En dedans de là, plusieurs douzaines d'immigrants utilisent tout espace, soit pour dormir ou bien pour reposer. Martin Pierre, qui sont les Haïtiens, dénoncent les mauvaises conditions y a vivre en dedans ça de là, qui semble avec le côté au gars des animaux. Si nous sommes malades, nous avons longtemps depuis n'attendre, nous pas vérité ici là encore, nous fatigués. Philemon Saint-Germain, qui était parlé avec nous depuis Tapachula, dans l'État de Chiapas, a fait expliquer le processus transfert migrant. Consul haïtien dans Tapachula, Marie-Joseph René, que nous t'ai parlé à Cli dans le téléphone, reconnaître haïtien a vivre dans conditions difficiles et misérables dans cette là. La travail avec l'autorité mexicaine, non seulement pour améliorer les conditions, mais tout pour permettre le transfert immigrants haïtiens fait plus rapide. Consul René dit nous, en plus de l'assistance là-bas, immigrants qui peuvent aller dans l'autre état, il y a immigrants qui sont malades et qui internent à l'hôpital. Et il y a même qui mourent, le consulat a déposé assistance. D'après le diplomate là, qui dit qu'il y a besoin de personnel additionnel, plus il y a autobus qui peut aller dans l'autre état, c'est plus qu'un immigrant qui a pu vivre dans Tapachula qui est sous frontière à Guatemala. Jobert Philippe, Washington. Jobert, si je comprends l'image que moi, je me dis, Mackenzie, tu as parlé de ça dans le programme. Et Haïtien, quand tu as fait commerce, tu as manger. Et pas de chercher papier. Oui, il y a tout le monde qui vend dedans, il y a rad, monde qui vend boisson. Il y a des magasins dans la zone. Haïtiens, depuis qu'ils vont côté la débrouille quand même. Surtout mesdames, il y a l'acheté manger, il y a vendre parce qu'il y a besoin. Il y a des gens qui gangou. Eh bien, il y a l'acheté manger, comme dans ça de la moune, il n'y a pas de faire manger, pas tout le monde qui fait manger. Eh bien, il y a qui mange à la caille d'abord, et puis il y a poté vin dans le gros, c'est de gros qui de gros chaudier. J'ai ouais, alors nous allons aller, qu'un jour, les relais. Mais au moins pour le moment, le monde sait qui est dans ça de la pable, perdre du place. Eh bien, il y a une barbe à manger. Et puis, bonne nouvelle là, c'est la décision de l'autorité américaine pour un Kounia. Tout immigrant qui est capable de arriver sous frontière immigrante et frontière États-Unis partagée avec le Mexique là, pour demander asile, eh bien, l'autorité a pour retourner au Mexique pour attendre, d'après loi ou bien d'après règlement administratif, pour te mettre sous pied. Et là, quand on va attendre pendant, il dit que le délai, ça va dépasser 6 mois. Pour que, en attendant que un juge prononce ce dossier, c'est un dossier que l'administration Biden a été abandonné, mais le juge a passé l'autre pour recommencer, et l'autorité n'a pas fait tête avec la justice, et bien il dit oui, il a obéi avec l'autre là. Donc, et, mais à condition, il faut qu'on y va sous frontière, et il faut faire demande là pour qu'on ait le temps au Mexique, Jacques. Merci Jean-Aubert Philippe. Donc Jean-Aubert Philippe a suivi très près pour nous. Ça a passé surtout dans le Stade Olympico et dans Tapachula. Donc, pour le Vinbanou, ça a passé. Merci Jean-Robert, ou toujours sous la voix de l'Amérique, qui a pu mettre depuis Washington d'ici. Mes amis, et si autant qu'on ou pareil, mais fait que dans le magasin ou bientôt dans le restaurant, et bien, une bonne nouvelle pour vous, il y a un haïtien qui a développé un app. Moi, le jeune journaliste Valério Saint-Louis, qui a dit nous plus depuis New York.
Ronny Saint-An son jeune entrepreneur haïtien qui vit Brooklyn et qui a un business dans la même zone. Ça. Nous t'ai rencontré ensemble avec lui et il fait nous connaître que le bon idée business que la travaille sous lui qui a rapporté en pile l'argent. Nous t'ai demandé qui sa idée est exactement. Son application libre. OK, on app, so ça veut dire que mon ka download it. Once you download it, les bon feature et pour restaurant ou quand on order manger ou dans restaurant. C'est pas même ça simplement. Moi gain on l'autre feature là dans ni pour supermarket dans les bourses de tout. Self check out ou pas besoin return cash register ou quand on est entré ou scan de barcode. De pour gain internet pas gon côté et application pas qu'à utiliser. Actuellement kounye là nous ka utiliser en Haïti. Application digitale ça relé Easy Swift Shop. La permet ou entrer dans n'importe qui magasin, n'importe qui supermarché. Ou ap acheter, ou ap payer sans pas camper dans ligne et pour virer de ou à la caille. Nous demandons Ronny pour que ça son application comme ça que le développer. L'aime entrer dans business, l'aime faire store ça là. L'aime qu'on a al shopping pour matériel besoin pour me servir pour bâtir shop là. Problème là c'est pas pick up what I need. C'est rester dans ligne pour me payer pour lui. I feel like I waste too much time. C'est comme ça tout commencer naviguer et touch you ensemble. Un peu de all of a sudden algorithm me vient na tête moi un peu de make sure on développe ensemble avec moi me dit exactement que ça me le fait une application digitale comme ça qui a prétention de servir toute qualité business tout côté aux États-Unis capable coûter en pile cop on est certain fait connait que c'est économie cop que l'a serré lui même à madame ni qui permet lui faire application ça moi même ça me dit madame moi listen nous pas pour aller prendre loan dans mes banques so n'a prend risque là avec ce ving nous gain côté rivé n'a pas en paix. Ronny très confiant application digitale ça que le créer et c'est ça qui te pousser nous poser le question ça. Combien comme les vaut mon cher pour bien d'où moi pas cadeau exactement qui valait le vaut connait là même cadeau si on monde vienne joindre moi connait là même qu'elle te bam 3 millions de dollars pour les babay. As a matter of fact c'est le quand valait commencer écrit Google écrit moi et Apple Store commencer écrit Amazon avec tout parce que les montés. Ronny Saint-An as a developer. Ronny Saint-An ba nous démonstration sur application digitale ça que l'a développé l'a travaillé sous Lili pour qu'on fini. Mais il espérait que un jour même j'ai toute l'autre gros application digitale qu'a fait cop sur marché a et ben un jour a gagne une application digitale que un haïtien créé et qu'a gagne nom Ronny Saint-An la donne pourquoi pas. Hey, attendez, nous gagne cerveau même j'ai avec tout l'autre monde. Ça fait moi créer application ça tout et pour nous qu'a montrer que nous même en tant que haïtien nous gagne en pile nos cafés. Plus gros problème nous gagne, c'était ensemble. Valério Saint-Louis, depuis New York, pour la Voix de l'Amérique. Merci Valério, donc très intéressant. Et nous connaissons que ça a changé la vie. Nous, dans un sens pour le monde qui paraît faire la queue, même j'avais m'imaginé que et Valério tout paraît faire la queue. Mes amis, nous parlons dans Miami, côté que y a une nouvelle galerie d'art qui fait que l'ouvrir Potli dans Miami, État Floride. Sandra Lemaire, a dit nous plus. Tableau haïtien en vedette dans Miami. Côté Galerie Monet, New Gallery d'or, qui a fonctionné en Haïti depuis année 1950, fait que ça l'ouvre Potli dans Midtown. Gaël Monet, c'est propriétaire. C'est troisième génération de famille de galeristes, donc de la famille Monet, qui commençait avec grand-père. Et on nous fonde des galeries en 1956. Et puis voilà, donc 63 ans plus tard. Et moi, j'ai décidé que bon, c'était l'heure pour nous exporter belle culture noire et en dehors d'Haïti. Et puis moi, j'ai décidé justement de venir Miami, qui c'est une ville stratégique justement pour objectif moi. Et dans le sens que Miami, vraiment, c'est aussi considéré comme la capitale culturelle des États-Unis. Pour vernissage là, tu as des pièces d'or diverses artistes exposées. Gaël expliquait qui j'en étais choisi. Moi, j'ai décidé pour première exposition ça, et que j'ai besoin, j'ai plus offrir un panorama de différents artistes et différents styles que nous gagnons en Haïti. Parce que c'était difficile justement pour me choisir, pour me commencer avec peut-être un grand artiste. Et Jean Galerio qu'on nous présentait justement, moi décidé plutôt que moi commencer pour moi tout, pour moi qui Jean, parce que challenge moi pour nous c'est comment offrir tableau à des monde qui pas qu'on Haïti, qui pas qu'on Galerie Monet, qui pas qu'on culture haïtienne bien.
Donc, me dit bon, on nous exposer plusieurs styles, plusieurs artistes différents, qu'on sait commencer ouais qui qualité réaction m'a gagné, qui ça que monde qui était Miami et ailleurs, ça y aurait aimé, qui ça y a pas aimé, puis nous ca évoluer de là. Si nous bien garder tableau yo pas fait dans même style là. Yo varié entre classique avec abstrait. Bon, déjà, Baron est sous carouet, belle bébé ça derrière moi. Ça c'est une collection de musique. Ça c'est d'ailleurs personnellement pas d'ailleurs mes familles. Donc ma PC peut-être développer même un concept de location pour te permettre justement pour des œuvres justement de collection privée qui t'es qu'à pour exposer, pour une qui t'es qu'à louer. Et puis après ça nous gagnons. Non, nous avons plusieurs styles, justement. Nous avons contemporains, très contemporains, comme Mario Benjamin, Semlan, Pascal Monet. Nous avons des classiques comme Préfète Dufaux. Et après ça, nous avons plusieurs artistes qui, malheureusement, ne sont pas avec nous, qui sont avec les anges. Parmi les artistes peintres qui ont un tableau exposé, nous avons remarqué Pascal Monet. Qui est-ce lié? Avant tout, c'est ma grande sœur, chérie. Et puis Pascal Monet, c'est l'une de nos meilleurs artistes contemporains. Et puis tout ça pour me préciser, c'est que justement, choix artistio, et c'est tous des artistes qui vivent en Haïti. Parce que comme nous connaissons, nous rentrer trop dans les détails, challenge que nous gagnons en Haïti ces jours-ci. Donc pour moi-même, c'est ça qui était important pour commencer à positionner à Miami, pour me représenter justement artistes qui vivent. Non, t'as chargé ça. Pendant que gen en pile artistes haïtiens chargés avec talent qui a évolué dans la diaspora, Gaël dit qu'il voulait concentrer sur artistes qui travaillent en Haïti. Donc justement, pour commencer, moi j'ai décidé que je vais vraiment concentrer sur artistes qui vivent en Haïti pour le moment. Parce que justement, au niveau de la diaspora haïtienne, nous avons des artistes qui commencent vraiment à grimper, nous allons dire, l'échelle et de la côte de l'art international. Vernissage Galerie Monet, fête 1er décembre. Il coïncidait avec festival artistique populaire qui déroulait chaque année dans Miami, qui est Art Basel. Festival ça a attiré les gens qui sont tout partout aux États-Unis et puis tout dans les pays étrangers. Sandra Lemaire avec Gentil Augustin Junior pour La Voix de l'Amérique, Miami. Merci Sandra Lemaire et Tanko Bitova Obatadi. Haïtien, c'est bon bagay. Donc, c'est bon bagay. Nous sommes là, c'est pas toujours matissant, c'est pas toujours kidnapping. Nous avons l'autre bagay que le pays a offert. Donc, ça, c'est du grand art. Merci Sandra et merci Gaël. Nous souhaitons le que nous avons Gaël par Skype pour parler avec nous de sa galerie Monet App. Et régler là. Donc, ce n'est pas un galerie qui a baillé monnaie, c'est un galerie qui a fait bon bagage. Mes amis, c'est un plaisir pour nous te servir. Nous saluons Abder Rahman et Ben Thank You. Et puis, nous saluons Jean-Robert Philippe et tout l'autre correspondant de nous dans Port-au-Prince, Massado Vilme, Renan Toussaint. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir et à demain. Moi, je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou patience. Moi, je prends les maps qui tournent bras, papa, mon Dieu, parce que c'est lui-même seul qui est capable de protéger ou, bah, la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, pas M. Foucault. N'a pas croisé dans l'autre vidéo. Au revoir. À la prochaine. Ciao, ciao. M'ramasser paquet, moi. Cause, habitant pas misé la ville. M'bralé. Mais, ma p'kito n'a bra papa bonji, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou, bah ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.